Ce que j'ai fait comme petite réalisation, voilà, dernièrement. Donc j'ai essayé ce petit moule en silicone, petite bestiole là, on voit pas bien. Et voilà, j'ai testé sur mes petites boîtes. C'est bon, j'en ai refait encore une. Donc ma maman a bien apprécié ces petites boîtes, donc j'ai décidé que je vais en faire une autre pour une prochaine visite. Donc là j'ai fait mes petits moulages à la colle chaude. Donc ça c'est un petit tout compte fait, ça ressemble à un petit chat. Là aussi une autre forme de petit chat. Donc voilà, et j'ai fait ce style-là de petites boîtes. Voilà. Alors là j'ai fait mes smileys, des petits smileys, une petite boîte spéciale mamie. Pour donner le smiley aux mamies. Une boîte à smiley pour mamie. Voilà, comment donner le sourire à des mémés avec une petite boîte à sourire. Donc voilà, j'ai mis ça à consommer sans modération. Voilà. Alors on ouvre. Toujours le même petit système. Plouf, padaboum, poum, poum. Voilà. Donc. Je vais faire un tout petit peu différemment celle-ci, si on peut dire. Pas grand écart avec les autres. Mais j'ai pu faire. J'ai retrouvé des vieilles photos, comme je vous avais dit. J'en ai un paquet encore. Là, c'est qu'une petite partie. Mais j'ai des petits formats dedans qui vont bien. Donc, je vais pouvoir faire mes petites boîtes pour mes proches. Voilà. Donc, je me fais plaisir à faire mes petites boîtes. Donc, toujours au milieu, une toute petite boîte. Ça se présente comme ça. Une toute petite boîte. Je vais mettre je ne sais pas quoi dedans. Et avec les décos de ma belle-sœur qu'elle m'a offert juste avant les fêtes, là. Vu qu'elle avait rangé sa scrap room. Donc, il y avait plein de petits autocollants, de petites choses. Et c'était marqué là. Trop bon. Donc, je vais mettre une petite gourmandise à ma maman. Je ne sais pas trop laquelle. Voilà. Donc sur la première petite boîte, si on peut dire, enfin l'intérieur de la boîte, j'ai fait des tamponnages. Ça, c'était une petite boîte que j'avais achetée à Cultura, qui a plein de petits tamponnages sympatoches. Il y avait toute une boîte comme ça. Et c'était sur le thème mariage, parce que j'avais une amie qui s'était mariée. J'avais acheté ça pour faire un mini-album. Et en fait, je m'en sers que pas que pour le thème mariage. Hein. Ça sert pour plein d'autres choses. D'autres occasions. Donc voilà. Il y avait ces petits tamponnages. Voilà. Sur une autre boîte. Enfin, à l'intérieur de la boîte. J'ai fait ce petit système. Donc, je n'ai pas fait en forme de petit cœur là. J'ai fait toujours un peu dans cette forme-là. Sauf que là, j'ai fait des petits effets, si on peut dire, et des petits tags. Voilà. Voilà, c'est mon fils à plusieurs âges différents. Mais c'est des petits formats de photos et je ne savais pas comment les utiliser dans une page 30-30 en fait. Je ne sais pas trop comment agrémenter ça. Et là, c'est vraiment parfait pour ce format de petite boîte, pour les petites photos. Donc voilà, il y a un autre petit tag avec les embellissements de ma belle-sœur aussi, en famille. Voilà. Bah, y a un truc qui est tombé. Ah, c'est tombé là, ça va. Donc voilà. Alors, une autre à l'intérieur, toujours avec des petits encrans spray que je fais à la maison. Voilà. Donc, c'est mon fils à une autre période.
je sais plus quel âge il avait exactement là, mais 4 ans par là, dans sa quatrième année, je pense. Voilà, donc une petite photo. Voilà, toujours des petits formats. Voilà. Alors, une autre encore. Là, à des âges un peu plus avancés. Il devait avoir 6 ans, là. Il avait des grands cheveux, tout bouclés. Un vrai petit prince. Et après, c'était la première fois qu'il se les faisait raccourcir, là. Là, c'était ses cheveux le plus long. Et là, il se faisait raccourcir les cheveux. Donc voilà, donc toujours avec des petits transferts de ma belle-sœur. J'adore, là, c'est dit, elle m'a passé plein de jolies choses, vraiment extraordinaires. Là, c'est marqué avec les yeux d'enfant, des petits papillons. Là, une petite phrase aussi, est attentive aux choses simples. Voilà. Toujours des petits décos qu'elle m'avait passés. Je trouve ça trop sympatoche. Voilà, encore une autre petite photo. Là, j'en avais sorti, passé un temps, je sortais en format médaillon comme ça. Et voilà, donc là, c'est parfait pour ces petites boîtes. Donc, toujours avec des encres en spray dorées. Voilà. Alors voilà, toujours avec des décos d'action de ma belle-sœur. Voilà, un mix de tout ça. Des petits tamponnages. Voilà. Sympatoche, je trouve. Et là, pour la boîte en elle-même, voilà, j'ai mis juste une petite photo. Voilà, et puis des petits trucs qui sont faits pour les cadeaux, en fait. Ça vient de chez Action aussi. Voilà. Donc, voilà pour encore une nouvelle petite boîte. Voilà. Donc, ça fait. Les boîtes à l'intérieur des petites boîtes et dans une grande boîte. Voilà. Donc pour cette dernière petite boîte que j'ai fait aujourd'hui. Voilà. Il faudrait que je mette sur un truc qui est tombé, je ne sais où. Voilà, par terre. Je ramasse ça plus tard. Donc voilà pour. Je ne sais pas si je vous ai montré l'intérieur aussi de la boîte. J'ai fait comme ça. Des petits tamponnages. Voilà, tout simple. Voilà, pour une petite boîte supplémentaire. Et j'ai continué mon petit album là, que j'avais trouvé chez Lidl, qui va super bien. J'adore ces pages noires. Alors j'ai fait deux nouvelles pages de scrap 30-30, parce que c'est le format 30-30 aussi dans cet album. Et là, c'est mes bestioles. Encore mes bestioles. Voilà. Alors, Monsieur Scrap. Voilà. Et je lui ai acheté un gros nonos. Le calibre au-dessus. Parce que les petits que j'avais trouvés, il les mange en 5-10 minutes. Donc, voilà. Donc, j'ai passé à la il a passé à la taille supérieure. Et là, ça l'a fait un tout petit peu plus longtemps. Mais il l'a quand même coupé en deux. Hein. Alors en ce moment, il ronge, il ronge, il ronge, il ronge, il ronge, il ronge. Voilà, donc en ce moment, c'est sa passion. Donc, il me fait ses premières petites bêtises, monsieur, maintenant. Il me chope des livres, voilà, et il essaye de les ronger. Donc, pour éviter qu'il me fasse ce genre de petites bêtises, il a maintenant ses petites rongettes, comme j'appelle ça. Donc, voilà, monsieur. Bien sûr, il ne va pas dans son panier, hein. Il fait ça sur le canapé, hein. Bien sûr, il ne faut pas non plus. Voilà. Donc, il mange son petit nono sur le canapé, ce petit saligo. Donc, j'ai acheté une petite couverture pour lui, là, avec des petites papattes. Donc, voilà, il mange ça sur le canapé, bien sûr. Il est plus à l'aise, bien sûr, que dans son petit panier. Donc, voilà. Donc, monsieur prend bien ses marques, hein, et ses premières petites bêtises, si on veut. Donc, j'ai testé, là, de Cultura, ces petites encres, non, pas encres, de la poudre à embosser, rose poudrée. Elle va super bien pour cet album. Et celle-ci, par contre,
Non, ça va pas sur les pages pour no, les pages noires. C'est trop pailleté, en fait, c'est pailleté transparent. Ça ira pour des pages d'autres couleurs, mais ça va pas du tout sur le noir. Pour celle-ci, ça va pas. Par contre, le rose poudré va super bien. Donc, j'ai fait ces petits tamponnages embossés en fait à chaud et je trouve trop sympatoche. Ça rend super bien, je trouve. Et ça, j'adore l'effet. Ça fait un petit relief sympatoche. Donc, ça va super bien pour les pages noires. Mais les autres non, sont trop transparentes. Vous voyez, j'ai fait ici. Ça donne ça en fait. Ça fait effet trop pailleté sur la page noire et on voit pas tellement le motif en fait. Vous voyez, ça fait ça, mais on se rend pas compte du motif exactement. Mais c'est sympa aussi, hein. Mais voilà, ça va pas pour la page noire. Hein. Donc ça ira pour une autre couleur. Et j'ai mis aussi mes petits smileys. Voyez? J'ai mis mes smileys avec la petite punchboard smiley, emoji. Donc voilà, ça agrémente aussi bien mes pages de scrap. Donc j'en ai fait une autre. Voilà, j'en ai fait une autre. Alors j'ai fait cette fois mes chatons, enfin mes gros chatons, Monsieur Ron et Monsieur Rusard. Donc j'avais reçu ma petite commande de la punchboard là. Et bien sûr, dès que j'avais ouvert le carton, donc ils sont précipités dedans. Et le premier qui a pu se faufiler avant les autres, c'est Monsieur Rusard qui est à l'intérieur. Et Monsieur Ron qui attend avec impatience. Et j'avais aussi Miss Praline aussi. Ils ont été chacun leur tour, mais ils attendaient avec impatience leur tour. Et j'ai trouvé des gros stickers mousse, petit chat là. Trouvé trop sympatoche. Donc voilà. J'ai mis toujours mes petits smileys. J'ai fait d'autres couleurs, pas en jaune. Voyez? Deux petites couleurs, des petits smileys. Toujours mes petites encres que j'adore là. Je m'en lasse pas aussi. Voilà. Pour l'instant, je suis dans ce fond de page comme ça. Je sais pas. Ça va changer d'ici quelques temps. Hein. Je suis bien par période. Ça. C'est par période. Et j'ai fait l'autre petit tamponnage aussi, un embossage à chaud. Là, c'est les petits, si vous voyez bien, c'est les petits renards, le papa, la maman, le bébé renard. Une boule de renard, en fait. Voilà, j'ai trouvé trop choupi. Donc, ça rend super bien sur les pages et ça fait un effet sympatoche. Donc, voilà. Pour mes deux créas, et j'ai mis aussi mes petits, vous voyez? Mes petits stickers pop-up, ils appellent ça. J'ai trouvé trop mignon celle-ci. Petit champignon, une petite fée. Voilà. Là, mes petites chouettes. Donc voilà, ça reste enfantin comme déco, mais ça me représente. J'assume. Mon côté enfantin qui ressort. Voilà. Et toujours autant de stickers. Voilà, je m'en lasse pas des stickers, en vois-tu, et en voilà. Donc il y a des stickers aussi, des décos aussi de ma belle-sœur. C'est un peu mélangé, action, cultura, punchboard, voilà, un mix de tout. Alors voilà pour mes chatons. Ça les a occupés toute une journée, hein, ça. Hein. Voilà, moi j'étais chacun leur tour dedans. Le carton était. Il y avait des petits. C'était du papier. C'est pas du papier bulle, mais c'est du papier un peu craft, un peu froissé. Donc ils sont joués avec dedans. Ils se sont donnés à cœur joie. Donc voilà, ça les a occupés tous les trois toute une journée. Comme quoi, il en faut peu pour être heureux. Un petit carton, et voilà. Ils sont heureux, comme c'est pas du possible. Bon, il y a sûrement plein d'odeurs qui venaient de je sais pas d'où. Et voilà, donc. Donc j'ai scrappé ces petits moments qui me font trop rire de mes bébés, si on peut dire. De mes chatons. Enfin, gros chatons. Hein. Ils vont bientôt avoir. Ils vont avoir 2 ans. Et la mère 3 ans cette année. Mais voilà, c'est encore du chaton. Hein. Voilà.
Et qu'est-ce que j'avais encore à vous montrer? Bah, je crois que c'est tout. C'est tout, c'est tout. Bon, demain, c'est mercredi avec mon fils. Il veut que je l'emmène faire un petit repas en extérieur, je ne sais où. J'espère que je ne vais pas craquer d'aller à Action. Normalement, je n'ai rien à prendre, mais vous savez bien que, voilà, sur la route, la voiture trouve toute seule certains enseignes. Attendez, je ramasse. Je suis là. Je suis là, je ramasse ce petit tag. Ça, c'est le petit tag de ma belle-sœur. Elle m'a donné plein de déco. Là, je suis quand même super contente. Il y a plein de petites choses comme ça et je trouve sympatoche. Voilà, le top 10 des choses qu'on aime, voilà, que j'aime de toi, voilà. J'ai pas encore rempli, mais je trouve sympatoche. Voilà pour mes petites boîtes. Je suis dans des boîtes, dans des grandes boîtes, des petites boîtes. Mon arrière-grand-mère était comme ça. Et je crois que j'ai hérité ça d'elle. Hein, j'aurais mieux fait d'hériter d'un château, je ne sais pas où. Et j'ai hérité de sa passion pour les boîtes. Voilà. Donc ça sera un prochain cadeau pour ma maman. Des petits instants de mon fiston. Voilà. Une boîte à sourire à mémé, que j'appelle ça. Une boîte à sourire à mémé. Comment redonner le sourire à une mémé? En voyant des photos de son petit-fils. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis plein de smileys qui rigolent. Des petits smileys clin d'œil. Une boîte à rigolade à mémé. Et à consommer sans modération. Voilà. Donc pour mes derniers petits créations. Voilà. Donc, j'ai rien testé d'autre, j'ai rien fait d'autre. Voilà. Bon, bah, je vous dis à une prochaine vidéo pour mes petits tests, mes petites créations. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Je serai contente. Si vous me laissez un petit commentaire, un petit pouce, voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi, pourquoi pas. Hein. Ça peut aussi, ça peut vous faire plaisir. Voilà. Bon, écoutez, ben, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. À plus, Escrapadite. Bisous.